Quoi de neuf sous la toile? Papa notre Lolo a encore fait fort. Il a encore fait quoi? Singonkala a fait un gros tapé d'eau à Moussa Jean Caladon. Hey! Expliquez s'il vous plaît. Donc, il a amené Fingon là-bas. Fingon est arrivé là-bas, il est devenu papa de la maison. Et Caladon est devenu le décortiquage subi. Donc Fingon a nia sa femme. Faire le tapé d'eau à quelqu'un ne veut pas simplement dire qu'on a pris sa femme. Hein? Ah, j'adore, c'est plutôt la sœur que Fingon Abinda. Oui, où sont Binda? Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé alors? Il y a deux jours, Jean Caladin et tonton Bifaka est sorti et dit que... Grand-mère, tu dis quoi? Il y a deux jours, Jean Caladin et tonton Bifaka est sorti et dit que... Deux personnes, elles sortent. Bref, continuez. Fingon Tralala, ils ont arrangé un concept. Maintenant, au moment de payer, Fingon s'est accaparé du concept et il a pris l'argent seul et il les a écartés. Hey! Quoi d'autre? Tu es malhonnête! Hein? Tu as fini avec la malhonnêteté! C'est la magie! Tu bites dans les enfants des gens, tu manges l'argent! Hey! Tu aimes, tu aimes tes collègues! Maman, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Maman, il a parlé! J'ai dit, hein, qui a amené Fingon aux États-Unis? C'est Moussa Jean Caladon qui a amené Fingon Tralala aux États-Unis. Et les deux dormaient où? Et dormaient chez la cousine de Moussa Jean Caladon. Sur le même lit? Les deux dormaient sur le même lit. Hey! Massa, avec tout l'argent que Fingon a là. Mais, ouais, papa n'a trop l'eau. Avec ton statut, tu manques l'argent pour aller à l'hôtel. Je te dis que. Je te dis. Parce que le type là a les dos, hein. Papa n'a trop l'eau à l'argent. T'es un gros parleur. Le nœud du problème, c'est quoi, juste? Donc, avant de partir du Cameroun, il s'était entendu verbalement que tout ce qu'il devait avoir comme argent, dont des cachets de spectacle, les cachets publicitaires, les deux devaient partager. Ah! Et où est Caladon actuellement? Moussa Jean Caladon se retrouvait dans la rue. Ça veut dire quoi? La sœur de Moussa Jean Caladon a chassé Moussa Jean Caladon de la maison. Et Fingon est où? Et Fingon est resté continuer à dormir dans la même maison, donc sur le même lit qu'il dormait avec, où il dormait avec Caladon. Donc, vous voyez un peu. Massa. Maman! Fingon, tu es fort. Non, mon frère, respect. Comment on appelle même le genre de film-ci? Ça, c'est déjà un gros coup bas. C'est déjà un très, très gros coup bas. Qui rentre? Quoi, Fingon? Chapeau. Qui rentre? Papa, calme-toi d'abord. N'est-ce pas? Attends. Caladon pleure donc quoi, au juste? Avant qu'il ne quitte du Cameroun, il s'était entendu que tout l'argent que Fingon devait gagner aux États-Unis, lui devait avoir son pourcentage dedans. Fingon n'a donc rien respecté? Fingon n'a respecté. Plutôt... Il y a même une de leurs connaissances qui a offert la télé. Pourquoi Fingon refait la télé là au Cameroun lui donner? C'était tout un problème. C'est quoi ça? Ben ça, Fingon, tu es dedans. Vrai, vrai. Qu'est-ce qu'on retient donc de Fingon? Donc, Fring a même un cop. Comment dire à mon patron, un cop. C'est-à-dire? Donc, dès que quelqu'un entre dans sa main, dès que quelque chose entre dans sa main pour qu'il donne à quelqu'un, c'est la magie. Mieux on le kill seulement. Ah! Au revoir! Je dis, hein, Caladon est qui pour Fingon? Moussa Jean Caladon, c'est d'abord le frère du village de Fingon. C'est son ami. C'est son collègue. Ils ont eu à faire beaucoup de choses ensemble. Bon, on peut donc dire quoi à Fingon pour clôturer? Donc Fingon serait que il puisse se remettre en question. Parce que nul n'est parfait. La perfection, ça n'existe pas. Quoi d'autre? Il faut savoir vivre avec les gens. Mm-hmm. La relation humaine est très importante. Quoi? La relation humaine est très importante. Ah oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu pouvais faire ça, ce que tu es en train de faire à tout le monde, mais pas à Moussa Jean Caladon. Pourquoi? Caladon, c'est un gars, tu es son aîné d'un an. Non, déjà. Mais c'est un gars qui t'a toujours respecté, il a toujours parlé du bien de toi. Donnez donc un conseil à Fingon. Grand frère, l'argent là ne peut pas acheter la tête de l'être humain. Mm-hmm. Quand tu fais un deal avec quelqu'un, essaye de respecter le deal. Vous comprenez dans la compréhension? Si tu tombes là, tu as tous les milliards. Il n'y aura que les êtres humains pour te sauver. Vous comprenez? Merci de partager, liker et abonnez-vous. Ok. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques. Un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter.
Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.